SBR ici auteur et aujourd'hui, épisode 16, aujourd'hui, reproduction de Dinopithecus. Donc, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une femelle Dinopithecus niveau 145. Puis, elle est ressortie niveau 200, je sais plus combien. Je les ai fait pex tous les deux, mais surtout elle, parce que si vous regardez bien ses stats, lui, bon, bah, c'est très correct, hein, 2962, ouais, c'est très très correct. Mais elle a 20 000 de vie, énormément d'énergie, comme l'autre. L'oxygène, bon, ok. Du poids, énormément d'attaque et énormément de... non, et de la vitesse, mais surtout de l'attaque et de la vie. Donc je compte faire beaucoup de reproductions pour faire un futur projet que vous connaissez tous. En plus, du coup, j'ai testé le Morellatops, en fait j'ai compris à quoi il servait. Et c'est super bien pensé parce qu'en fait, vous le laissez là, il va boire. Et ensuite, j'ai juste soit à me boire, ou par exemple, voilà. Ah merde, je suis déjà dans l'eau. Donc ouais, vous mettez ça là-dedans, vous faites remplir les contenants ou remplir le dos de l'inventaire. Enfin, c'est incroyable. Quand vous êtes dans le désert, comment ça doit sauver la vie. Devrais faire une vidéo entière pour eux, mais ça sert à rien, je l'ai déjà tab, donc tant pis. Mais franchement, il est incroyablement utile, surtout quand je vais faire l'aventure sur ce crotier dirt. S'il est sur cette map, je pense que je le tamerai rapidement. Et du coup, gestation dans 15 minutes. Donc ouais, c'est un peu long, mais selon les vrais serveurs, ça va. Du coup aussi, on caresse. Ma base, elle a pas trop changé, j'ai juste ça, des dodos. Pulminoscorpius. Il n'y a pas trop eu de level où il y en a que je m'en sers plus du tout. Voilà quoi. Et puis en termes dans la base, je crois que tout est bon, tout est... Comme d'habitude, j'ai pas trop changé. Il y a un truc que faut que je fasse. Ah non, c'est pas là-dedans. C'est ouais, je les ai gardés dans les coffres. Je pense que je vais les prendre et je vais les mettre à détruire. Ici. Ça. Ok, ça c'est normal. C'est ici. Ici, j'ai un arc qui me sert à rien. Les deux fioles de la vidéo. Pareil, ça j'en ai eu juste après la vidéo quand je suis rentré. J'ai eu des trucs inutiles. Ça en vrai. Oh bah ok, on va garder ça, non, ça non, ça non, ça non, ça non, ça non plus, ça on garde au cas où, ça aussi, il y a des trucs qu'il faut que je jette, juste un et peut-être plus tard j'utiliserai, pareil le puits d'eau, peut-être, je sais pas, faut voir comment les placer ni rien parce que je connais pas du tout non plus. Ok, donc on va jeter tout ça là dedans et on va broyer. Donc le bocal on peut pas et ouais, je vais laisser là dedans et puis les bocaux, ouais, on va les mettre en haut ici. Voilà, donc ouais, elle avance pas beaucoup en ce moment la base parce que je me concentre sur les dinos maintenant et sur le farming pour stocker les ressources et créer des choses. Prochainement, je vais voir pour faire les boss. Du coup, c'est pour ça que je fais de la repro pour voir si je peux faire des boss ou pas. Oh. Ok, et ben on va les mettre. Dans la serre, on va mettre surtout
par ici. Et les choses les plus importantes, surtout les carottes, le maïs. Carottes, maïs, citron. Et après citron, c'est quoi ici? C'est bah, pomme de terre en vrai, c'est pas plus important. Mais carottes, maïs, citron. Du coup, ici il doit prendre des nouveaux. Ouais, je l'ai rempli de bouffe comme ça au moins. Ici je mets que du carnot, que de la viande. Puis je crois aussi. Enfin c'est pas que je crois, c'est que il farme assez bien quand même. Ça je vais jeter. Mais il farme, ça va. Mais le mieux reste quand même le petit tricératops. Mais je pense aussi le bronto, c'est largement meilleur. Donc je vais faire une petite ellipse le temps que les Dinopithecus soient nés plutôt. Donc à tout de suite. Ok, re tout le monde donc. Le bébé vient de naître. C'est cool. Par contre, j'ai pas de nourriture. J'ai pas de viande. Donc, on va prendre ça là-dedans. Voilà. Hop. Et tu ne bouges pas. Pas bouger un seul. Donc, on va regarder plus tard ses stats. Mais on va prendre d'abord toute la viande avariée du coffre. Pour me faire plus tard des narcotiques parce que ouais j'en ai besoin. Tac, on met ça comme ça. Donc j'ai quand même récolté pas mal de choses. J'ai pas mal de citron, de maïs et tout ça, donc je pourrais faire prochainement des potions, des plats. Donc qu'est-ce qu'il a eu comme stat? Déjà, pas bouger tous. Il a eu 5000 de vie. C'est pas fou. C'est vraiment pas fou. L'énergie, c'est normal. Très bien. L'attaque, 400. Ça passe. Et le poids, 600. Allez, ça passe. Mais dans tous les cas, je vais me faire une horde de Dinopithecus. D'ailleurs, on va aller farm. Comme ça, vous voyez comment je fais et 1000 d'attaque. Est-ce que c'est pour vous. Enfin, comment dire. 1000 d'attaque, est-ce que ça se ressent? Et vous allez voir que. Ouais. 1000 d'attaque, c'est pas dégueu. C'est incroyable. C'est wow. Pour ça que j'adore farm avec eux. J'ai les grosses bêtes comme eux, full PV. Et ben on se les fait facilement. Donc voilà. Et moi j'attaque derrière. Après moi j'ai pas peur. Hein. Ils font pas énormément de dégâts les brontos et tout donc ça va. Lui il fuit. Allez, on va rentrer dans la base, à la base, pardon. Et donc, ça va déjà être la fin de la vidéo. Je vais juste regarder ce qu'on a eu. On a eu un peu de peau. Et un peu beaucoup de peau. Ok, ça va.
Ok, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche. C'était Auteur, n'oubliez pas que je vous kiffe. Allez, ciao ciao!